d'être championne du monde, c'est vraiment énorme pour moi, parce que c'était un objectif qu'on avait depuis un an et demi avec mon entraîneur. C'est vrai qu'à la Medal Race, j'avais déjà gagné le titre mondial, donc j'avais pas trop de pression, mais un petit peu, puisqu'il y a la famille dans les tribunes. Et bah, j'avais à cœur de bien finir pour essayer d'avoir des émotions fortes à l'arrivée. Parce que c'est sûr que finir sur une manche de dernier, c'est moins marrant. Et là, c'était vraiment d'essayer de faire la plus belle course possible. Et j'étais mal partie, mais j'ai réussi à gagner la manche. Donc c'était vraiment une belle émotion. Pendant le championnat du monde, c'était la pression. En fait, il y a pas mal de nuits où j'ai pas très bien dormi. On sait qu'on est fatigué, mais une fois sur l'eau, il y a plus de fatigue. Et voilà, mais la pression, elle était là, puisqu'on s'était fixé un seul objectif avec l'entraîneur, c'était le titre. 2014, ça a été assez exceptionnel, je m'en rends compte maintenant, mais j'ai commencé avec une victoire à la Coupe du Monde de Palma. Ensuite, on a eu les championnats d'Europe que j'ai gagnés, et c'était un peu un doublé, puisque l'année dernière, j'avais gagné aussi, en Turquie au mois de juillet. Ensuite, le test event à Rio, qui est la